Ok, vas-y. Je suis basic. Vas-tu peser déjà? Oui. Ok. Allez-y. Vas-y, mets la main sur sa tête. Ok. Vous allez répéter la prière que je vais vous dire. Et tu vas parler en cambodgien. Ok. Nyek Mael. Vas-y. Je vais traduire. Vas-y. Tchapringtang. Au nom de Jésus-Christ. Père. Vas-y, dis-le. Père. Oui. Père. Ok, parce que là, ok, vous m'écoutez. Ok, répétez. Abba, Père. Abba, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je crois. Je crois. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Est le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu. Je crois. Je crois que Jésus-Christ, est mort pour moi, sur la croix, pour laver tous mes péchés. Je crois, que son corps, a été donné pour moi, pour guérir, toutes mes maladies, toutes mes souffrances, toute l'iniquité. Je crois. Que son sang, a été versé pour moi, pour laver, tous mes péchés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je pardonne, à tous les gens, qui m'ont offensé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te donne. Mon corps, mon âme, mon esprit, entre tes mains. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'invite le Saint-Esprit, c'est ton esprit, Seigneur, à venir, habiter en moi, sois mon Dieu, mon guide. Mon guérisseur, mon tout, Seigneur. Mon tout, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Baptise-moi. Dans ton esprit. Et le feu. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste calmer. Ok. Maintenant, ma fille va prie en langue et vous allez répéter qu'est-ce que je vais dire. Okay. Vas-y, prie en langue. Okay, vous dites, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je reçois le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois le don. De parler en langue. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je reçois le don de guérison, au nom de Jésus-Christ. Fermez les yeux. Maintenant, ouvrez votre bouche et répétez le son ta-ta-ta. Il faut que le son sorte. Arrêtez pas, continue. Et le son va changer. Ta 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 ta
Ça va changer encore. Vous allez voir. Vous comprenez pas, mais c'est une langue, c'est une nouvelle langue. Continue. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. C'est le Saint-Esprit qui prie pour vous, avec vous. Et vous ne comprenez pas, et la langue part tout seul, c'est le Saint-Esprit. Continue. Il y a des fois, vous pouvez peut-être même chanter, même. Il y a des sons qui vont sortir. Amen, continue. Vous comprenez maintenant? Vous êtes chaud là? Ça, c'est le Saint-Esprit. Oui. Vas-y, parlez encore. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas cette langue-là, mais ça marche. Vous voyez? Oui. Donc, vous pouvez arrêter n'importe quand. Vous pouvez repartir n'importe quand. Et vous avez le Saint-Esprit là. Tout seul. Ça, c'est fluide. Hein? C'est spécial. Hein? C'est jamais arrivé. Hein? Non. Wow. On ne comprend pas. On comprend pas. À moins que vous ayez le don. Froid, hein? C'est, tout ça, c'est le Saint-Esprit. Moi, c'est chaud. C'est froid. Puis là, à un moment donné, ça a fait comme je ne le sentais plus. Puis là, c'est moi, c'est venu chaud. Oui. Puis là, ça monte. OK. Donc, est-ce que vous croyez Jésus, qu'il est mort pour vous sur la croix? Je vais dire oui, parce que depuis que je suis petite, je dis, il n'a pas fait ça pour rien. Fait que, c'est ça. Oui, bon. Ben oui. Il vous reste seulement le baptême d'eau, c'est seulement ça. Est-ce que vous êtes catholique? Oui. Vous étiez ou vous êtes maintenant catholique? Ben j'ai été baptisée, puis oui. moi, je suis allée à l'église, puis j'avais pas de temps, comme si j'expliquais à vous. Elle était soif. J'étais oui. toute petite, puis 5 ans, puis j'allais dans le garde-robe, je mettais une robe blanche, je mettais des souliers blancs, qui étaient à moins pas moins grands que moi. Puis maman, elle disait, tu peux pas aller à l'église, t'es trop petite, j'allais quand même. Okay, puis j'étais assise, puis quand j'allais pour communier à chaque dimanche, je retournais, puis elle disait, t'es trop petite, tu reviendras à ta communion, mais j'allais. Oui. Mais vous voyez, cette volonté, cette soif-là, aujourd'hui, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va vous faire baptiser à votre gré, à votre volonté, à l'Église. Okay? On ne va pas vous forcer, mais c'est la marche à suivre pour continuer et comprendre de plus en plus Jésus-Christ. Et vous êtes surpris. Comme si vous manquiez juste ça. Oui, dans votre vie. Mais vous êtes tellement spirituel, mais vous avez des mauvaises choses en vous. Vous avez des objets sataniques. Vous avez des objets qui... J'ai parlé à ma fille tantôt de prier pour se faire sortir parce que vous faites souvent des mauvais rêves. C'est vrai? Rêve au beau gars, hein? Je rêve pas. Ouais, si voilà, je rêve, voilà, pas, il y a je tout. Rêve pas, je m'en rappelle non, pas. Il va t'expliquer. Okay, je vais vous expliquer. Parce que quand vous rappelez pas votre rêve, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a volé votre rêve. Okay? Je vois que vous avez beaucoup des objets qui n'est pas la volonté de Dieu. Je regarde seulement sur vous et je vois que c'est pas la volonté de Dieu. La croix que vous portez n'est pas bonne, l'alliance que c'est vous avez. Oui, sinon, c'est juste beau. Non, c'est juste beau, pas... Non, c'est quelqu'un, c'est un esprit que vous ça, a attiré. C'est pas bon. C'est pas bon, ça.
Il faut que ce soit bon. La couche de gaz, c'est quoi? C'est la jour de mariage de ma mère. OK, enlevez, je vais voir. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous a demandé de, d'acheter ça, ou de mettre ça sur vous. Même moi, parce que je n'étais pas capable que ma mère parte. Oui. Que ça aille dans le Oui, je vais regarder votre Tu sais pourquoi tu as mal? Il y a un esprit qui... Oui, il y a sûrement une porte quelque part que tu as... C'est comme un alta. Tu vois? Okay. C'est comme un alta. Oui. C'est, en français, on appelle ça l'autel. Ça, c'est correct. Je peux voir votre croix. Okay. Ah, ça, c'est juste parce qu'elle était bleue que je la trouvais belle. OK. C'est tout. OK. Fait que... Oh, OK. Enlève ces deux-là et gardez seulement l'alliance. OK, s'il vous plaît. Pas la Marie? Non, pas la Marie. Enlève ces deux-là. Puis gardez l'alliance de votre maman. Ah, Marie-Saint, là? Oui, oui. Non, c'est pas bon. Tu sais pourquoi? Parce que, ben, je pourrais... Pourquoi je l'ai? Parce que maman est me marie. Fait que moi, je me marie, moi, maman... OK, enlevez l'autre, puis gardez l'alliance de votre maman. C'est Merci. Parfait. Puis l'autre, c'est quoi? C'est votre alliance à vous, ça? Non, c'est une bague à 5 piastres que je trouvais belle. Je vais garder ça aussi. OK. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on a... C'est on ne sait pas, mais c'est pas bon. Oui, voilà, c'est spirituel. C'est spirituel. Okay. Il ne veut pas que tu ouais. ça. Okay. C'est bon, c'est propre. Yes. Ouais, c'est bon. OK. Tu peux garder le bracelet aussi. Le bracelet, il y en a des couteaux de poisson. Oui, je vais voir le bracelet. C'est une cuillère. Oui, je vais voir. C'est vrai que c'est une cuillère à travailler. OK. Oui. Ça, il va enlever. Oui, plus jamais. Plus jamais. C'est mon ami qui l'a fait avec toute son âme et son cœur. Ah oui. Mais peut-être qu'il y a une très bonne volonté. Il vient de quelque chose qui n'était pas bon, peut-être, de matériel. Un peu poisson. Oui. Puis ça représente l'esprit. Ça fait combien de temps vous êtes marié? Jamais. Ah oui. Ah. T'as compris? Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu. Dieu... J'essaie de l'entraîner parce que moi, je sais la raison. Regarde, Dieu, là, c'est une alliance que...